signe solaire ascendant lunaire gouverné par la planète Mars. Bonsoir à toutes et tous, ravi de vous recevoir dans votre lecture intuitive pour le mois d'août 2024. On va faire le tour, on va voir la médium des énergies qui vous accompagne durant ce mois-ci, sur le plan sentimental, professionnel et physique. Elle reste une guidance générale, ça ne peut pas parler pour tout le monde, alors prenez uniquement ce qu'elle vous dit. On va faire le tour avec les oracles, les guides. On commence avec l'oracle des mémoires akashiques. Ensuite, on ira voir le petit, le normand. On termine la voyance avec le tarot. Et ce que vous soyez, signe solaire ou ascendant lunaire, bélier, cette guidance est pour vous. Guide, gratitude, bélier, août 2024. Quels sont les messages? Quelles sont les énergies? On va vous prendre trois lames de cet oracle. C'est parti. Waouh, le doute, c'est la carte des volages, c'est la carte de l'indécision, c'est l'incapacité de faire des choix et de passer à l'action, c'est l'impasse, c'est la solitude, c'est flou, les situations ne sont pas éclairées, il y a du nuage à l'horizon, il y a quelqu'un qui vous a mis des informations à l'oreille. Vous commencez à vous en douter de la fidélité, de la loyauté de cette personne. Vous vous posez des questionnements. Ces questions sont devenues essentielles à votre cheminement spirituel. Il va falloir trouver des réponses. Ces réponses nécessitent une prise de recul également. Allez, on va voir. Prise de responsabilité, waouh. Il y a un fardeau qui pèse sur vos épaules. Vous n'êtes pas responsable du malheur des autres. Libérez-vous de cette situation qui vous empoisonne, qui vous emprisonne. Libérez-vous de ce fardeau qui pèse sur vos épaules. Accordez-vous l'occasion à ce que ça marche cette fois-ci. Il est temps de prendre soin de soi. Le mouvement, c'est clair. Et on termine avec la troisième lame, le mouvement qui symbolise la liberté, l'indépendance. Un vrai départ, redémarrer les machines à zéro, partir explorer d'autres horizons et s'ouvrir vers de nouvelles perspectives. Le premier message avec l'oracle des mémoires, et c'est clair, il est temps de s'asseoir à table afin de discuter, faire table rase, mettre toutes les cartes sur la table afin de faire le point sur la relation, partir ou rester, s'engager ou se désister. Faites votre choix en toute conscience, soyez au clair dans vos priorités et donnez-vous l'occasion à ce que ça marche cette fois-ci. La carte des doutes, c'est la carte des volages, de l'indécision, du nuage à l'horizon, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, je ne suis pas sûr. Je suis incertain et incertaine des valeurs, des principes, les idées de cette personne, de votre partenaire. Je ne suis pas sûr que ça va marcher. Je ne suis pas sûr et certain et certaine qu'il y aura un aboutissement, une concrétisation par rapport à un projet qui vous tient à cœur. On vous dit, il est temps de désamorcer les obstacles, il est temps d'enlever le doute qui a été semé depuis un certain temps. Il est temps d'éclaircir certaines situations. Vous avez besoin de cette lumière qui devrait s'allumer au-dessus de votre tête pour vous montrer le chemin vers le bonheur. Plus de nuages, plus de doutes dans cette situation. La carte de la prise de responsabilité, il n'y a pas le moindre doute. On paye les factures, ça pèse sur nos épaules, les charges sociales, fiscales, les engagements, les obligations. La vie vous demande plus que vous pouvez donner dans cette relation, dans ce projet. On vous dit... Oui, il y a la notion de la bienveillance, il y a la notion de mettre de l'argent, de l'énergie, de s'investir dans des projets prometteurs, de la famille, etc. Prenez du recul, accordez-vous un peu de temps pour vous-même. Il est temps de veiller à évoluer dans un environnement sain, de prendre soin de soi, de se nourrir de bonnes choses, afin d'avoir un esprit dégagé, être en mesure de prendre des décisions rationnelles, logiques, en toute impartialité. La prise de responsabilité, vous n'êtes pas le responsable du malheur des autres. Accordez-vous un peu de temps pour vous, amis bélier. Regarde le troisième message, il est clair. Le mouvement. Cette lame symbolise l'émancipation, la rupture, la séparation, la fin d'une situation, la fin d'un projet, ensuite la renaissance.
Il est temps de se libérer, il est temps de se désengager, il est temps de prendre une autre voie, un autre chemin de vie, un voyage qui se profile littéralement avec cette lame, partir à l'étranger, s'envoler, prendre sa liberté, son indépendance, avec la joie, la bonne humeur pour explorer d'autres horizons et s'ouvrir vers de nouvelles perspectives. Faites votre choix avec cette carte, prenez les bonnes décisions, il est temps de se libérer, il est temps de partir ailleurs, là où vous serez accueillis tel que vous êtes. Ce sont les messages de l'oracle des mémoires akashiques pour mes chers amis les béliers. On enlève le doute, on prend les décisions, on coupe, on tranche, on bloque. Il est question de rééquilibrer les platons de la balance dans votre vie professionnelle et relationnelle entre la notion de donner et recevoir. Il y a cette nécessité de trouver son équilibre et son harmonie. Vous avez les outils nécessaires pour prendre des décisions justes et harmonieuses. 50-50. Et une relation saine et équilibrée se fait, se construit à deux. C'est un travail à deux. Il est temps de prendre sa liberté également. Il est question avec cette lame de se libérer du passé. Le passé est bien et bel derrière vous. Il faut progresser, avancer dans sa direction, prendre une autre voie, un autre chemin de vie qui correspondra à vos attentes et à vos aspirations les plus profondes. En continuant la guidance, on va y aller voir cette fois-ci le petit, le normand, on va voir ce qu'il a à nous dire. Bélier, août 2024. Carte du cœur, un amour profond, des sentiments sincères, une relation très profonde. Mais malheureusement, quand le vent souffle, emporte même les girouettes. Il est inutile de résister devant les changements induits par la roue de vie. La vie est faite ainsi, la nature cyclique de la vie, les hauts, les bas, la naissance et la mort. Parfois, il va falloir accepter les changements, accueillir toutes les évolutions avec bienveillance et sérénité. La lune, elle est dans votre tirage avec le petit Lenormand. La lune se rapporte à l'inconscient, à l'intériorité, à la sphère émotionnelle, aux ondes d'ombre. La lune représente une mer déchirée, mais également un lac tranquille. La lune me parle de l'angoisse, ce qui vous empêche de dormir, ce qui gâche votre sérénité. La lune me parle de ce combat qui se fasse à l'intérieur de vous-même, entre la paix et la guerre. Trouver son harmonie, son équilibre, avancer ou reculer. Toutes ces questions que vous posez depuis un certain temps, qui sont liées au sens de votre vie, la valeur, votre présence sur Terre, mais également la mission de votre vie. Le soleil y reviendra. Le soleil y reviendra pour illuminer votre chemin. La lumière du soleil qui éclaire, on y voit clair et on devient lucide. Le soleil se rapporte à l'élément feu, à la clarté, à la confiance en soi, à la détermination. Pour les personnes qui sont malades, ou il y a quelqu'un qui est malade dans leur famille, cette personne a traversé des moments difficiles, un événement qui l'a déstabilisé, un combat avec une maladie chronique. On vous dit qu'il y aura la guérison, car le cercueil avec le soleil, c'est la renaissance. Renaître de ses cendres, devenir une nouvelle personne. Si vous rentrez dans une période de transformation, de changement, de métamorphose, vous métamorphosez, vous quittez une situation qui n'est pas bénéfique, une situation de la douleur, de la tristesse, de ralentissement, des restrictions, et on vous prépare pour rentrer dans une autre phase, une phase plus profonde, un changement positif qui va s'opérer dans votre vie.
Le cercueil, il annonce la maladie, la mort, certes, mais c'est une mort symbolique. C'est dans la logique des choses que cette fin, que cette rupture, que cette séparation, car j'ai un couple ici séparé, une relation lunaire, car la lune, elle est là pour nous parler d'un couple, un homme et une femme, qui rentrent dans une phase lunaire. Votre projet fluctue comme les phases de la lune. Vous ne savez pas quoi faire, chère madame, cher monsieur. Cette personne n'est pas alignée. Cette personne n'est pas intéressée. Cette personne ne se projette pas. Cette personne ne partage pas les mêmes valeurs. C'est la lune qui le dit. C'est l'angoisse, c'est les peurs de s'engager, les peurs de se projeter, les peurs de mener cette relation vers une nouvelle étape. Bien au contraire, la lune me parle de l'angoisse et le cercueil m'annonce la fin d'une relation de façon définitive. C'est un processus, le cercueil, qui fait naître la dernière version de vous-même, chère madame, cher monsieur. La version qui honore le divin en vous. Alors, il est temps de se préparer pour en finir avec ce chapitre qui finit et accueillir tous les changements. Mais il va falloir prendre les bonnes décisions, car j'ai ici la consultante, une dame qui est arrivée à la croisée des chemins. À un stade dans sa vie, elle doit prendre une direction vers le nord, vers le sud, est, ouest. Elle doit prendre du recul également. La nécessité d'avoir un esprit dégagé pour être en mesure pour prendre les bonnes décisions. Car c'est l'incapacité de faire des choix et de passer à l'action. Il y a cette volonté d'y aller de l'avant, mais on a peur de faire les mauvais choix, également les mauvaises décisions. On vous dit, écoutez votre intuition, faites votre choix en toute conscience et soyez au clair dans vos priorités avant de s'engager dans n'importe quelle direction. Le plus important, que cette direction soit conforme, correspond à vos attentes et à vos aspirations les plus profondes. Ce que vous attendez, ce que vous cherchez, ce que vous voulez de l'autre. Vous avez des réponses à l'intérieur de vous-même, alors soyez honnête avec vos aspirations. Pour certains d'entre vous, j'ai ici la notion du décès de la maladie. Un homme malade, un homme qui a décidé. Toutes mes condoléances pour les personnes qui ont perdu un mari, un partenaire, un frère, une énergie masculine. La vie est faite ainsi. C'est la nature cyclique de la vie. On n'a pas la main sur les choses. Une partie de notre existence échappe à notre volonté et à notre contrôle. Tout ce qui arrive dans notre vie et dans votre vie, Amir Bélier, c'est pour une bonne raison. Une porte qui se ferme avec la carte du cercueil va laisser la place à une nouvelle porte qui va s'ouvrir avec la carte du chemin. Dans la vie, il faut accepter le changement. Parfois, il est nécessaire de vivre des bouleversements, des chamboulements, pour repartir à nouveau sur des bases beaucoup plus saines. La lune, elle est là pour nous parler. Certes, on a vécu des moments d'angoisse, d'attente, de ralentissement, mais le soleil, il est là. Il reviendra dans votre vie pour illuminer votre chemin, pour vous montrer la voie à suivre, le chemin à prendre. Ce sont les messages avec le petit Lenormand. On continue la guidance avec le tarot. À tout de suite. On continue la guidance avec les signes feu, les béliers pour le mois d'août 2024. On va voir quels sont les messages avec le tarot. Allez, Bélier, signe solaire, ascendant lunaire, gouverné par Mars, août 2024. Quels sont les messages, quelles sont les énergies? Sur le plan sentimental, relationnel, professionnel et financier. C'est parti. L'énergie principale. Wow. Les 4 de denier. Ok. Sur le plan sentimental, waouh, 8 de coupe. Sur le plan relationnel, oulala, les 5 de denier, 4 et 5. Sur le plan professionnel, on a les 2 de bateau. Sur le plan financier, waouh, la tour. Je préfère la voir ici que sur le plan sentimental. Dans le vieux antérieur, on a le valet d'épée. Sur le plan spirituel, on a 8. 8 est répété deux fois, 8 d'épée. Alors, quels sont les signes astrologiques qui sont présents dans votre carte? On a uniquement les signes
D'air, on a Gémeaux, Balance et Verseau. Sur le 2 de deck, on a le Diable. Ça m'étonnerait que j'ai le Diable sur le 2 de deck. Qu'on parle des addictions, hein, des pratiques malsaines, des schémas maladaptatifs qui cassent les relations. Ça peut être une jalousie maladive, la possessivité maladive, du jeu d'emprise, de contrôle. Voilà, c'est un séducteur, une séductrice. C'est difficile de cerner ses intentions et ses sentiments pour le moment. Je claque la porte, je mets la bague sur la table, je laisse la lettre pour dire au revoir et je mets un terme à cette relation. C'est une relation déséquilibrée, toxique, dont il n'y a pas cette notion d'harmonie entre les échanges. Les deux partenaires ne se complètent pas, ne se comprennent pas. Et la relation devient de plus en plus toxique. L'énergie qui vous accompagne sur le plan relationnel, c'est Four of Pentacles, les quatre de deniers. Les quatre de deniers, il est hors de question de partager avec cette lame. Il est hors de question de partager mon temps, mon énergie, mon argent, mes ressources, tout ce qui me tient à cœur pour moi. Avec cette lame, je me renferme sur moi-même, je rentre dans une période d'isolement, du repli sur soi et de renfermement. Je construis un château à base de l'argent, de l'or. Je mets des cadenas sur la porte de ce château pour que personne ne puisse franchir les frontières. Je veux être seul, parfois vaut mieux être seul que mal accompagné. Sauf que cette lame va au-delà de cette période de méditation. J'ai besoin de méditer, d'analyser, d'introspecter. Ça va plus loin et ça va être un peu, ça devient un peu dangereux. Les quatre de denier, amis bélier, je vous résume votre situation pour le mois d'août. C'est le mois des économies, c'est le mois de je profite de ma situation et je savoure également le résultat de mon énergie, de mon travail, mais seul. Je ne le partage avec personne. Les quatre de denier, vous appréciez la stabilité que vous apporte votre gestion très prudente de votre patrimoine. Et vous faites tout pour accroître votre patrimoine, accumuler plus de richesses, plus d'argent, sans donner en retour. Cela peut nous révéler, c'est un révélateur d'une soif intarissable pour gagner plus d'argent, de richesses, mais également pour se sentir en sécurité sur le plan matériel. Je vous l'accorde, gagner de l'argent, se sentir en sécurité sur le plan financier et matériel, c'est un objectif de vie respectable. Mais sans donner en retour, sans partager, sans profiter de la vie, des moments intimes, cela devient des peurs, car cela ne révèle les peurs que sont ancrées en vous. Les peurs de faire des changements, les peurs de provoquer des changements, les peurs d'ouvrir les portes de votre château pour que d'autres personnes rentrent chez vous et partagent avec vous les fruits de vos efforts. La carte des quatre de denier, il est hors de question de partager avec les autres, de sortir, de renouveler mon énergie. Je travaille, je gagne de l'argent et je vais tout faire pour redoubler ce que je possède. Avec cette lame, généralement la personne qui m'écoute, vous avez perdu la notion de la valeur des choses. C'est quoi la valeur des choses? Sortir, profiter des moments intimes, passer un moment dans le parc, faire des connaissances, élargir son réseau d'amitié, pas du tout. J'aime bien ma solitude, je préfère être seul. L'argent que j'ai gagné pendant longtemps, il est à moi et je ne le partage avec personne. Je suis désolé, vous me connaissez parfaitement bien, les gens qui me suivent, qui savent que je suis cash. Je ne fais pas du compliment. C'est une guidance, peut-être pour une personne de signe bélier, moi je suis obligé de le dire. Cette personne qui est rentrée dans une période de renfermement, d'isolement, c'est un cloître, une prison qui a été créée autour d'elle. Pourquoi elle est devenue comme ça du jour au lendemain? Elle n'était pas comme ça. Les choses ont changé. Les 8 de coupe, 8 of caps. La personne qui m'écoute, si vous avez choisi de gagner plus d'argent, si vous avez choisi la stabilité financière et matérielle pour se sentir en sécurité, si vous avez choisi le renfermement et l'isolement parce que vous êtes une personne accablée
par les blessures du passé. On vous a poignardé, on vous a trahi, on vous a menti, on vous a caché des choses. On a profité de votre générosité, on vous a souterré de l'argent. Et vous me dites, lui, de coupe, j'ai dû quitter mon foyer, une relation, un homme, une femme. J'ai tout donné dans cette relation. Hélas, le jour où je m'attendais à ce qu'on me récompense, ou au moins reconnaître tous mes efforts dans cette relation, on m'a abandonné comme un petit, comme un enfant, dans un cimetière à ciel ouvert. Il n'y a que le deuil, il n'y a que la tristesse, il n'y a que les larmes, il n'y a que les vieux souvenirs qui m'ont accompagné pour faire le deuil et la guérison émotionnelle. Les 8 de coupe, vous avez tourné le dos au passé. J'ai claqué la porte. Il est hors de question de revenir en arrière. J'ai pris une décision de mettre un terme à un chapitre douloureux. Suite à cette décision que j'ai prise durant ces dernières années, le chapitre du passé est clos définitivement. Les 5 de denier. Si vous êtes dans une période d'économie, de protéger son patrimoine, de tout faire pour accroître son argent, ses affaires, gagner plus d'argent, accumuler plus de richesses. C'est un révélateur. Ah, une soif intéressable, certes. C'est parce que dans le passé, cher ami Bélier, vous avez vécu la misère. Les 5 de denier, c'est la carte de la misère, de la douleur, de la pauvreté. Je suis d'or, les pieds nus. Je n'ai pas de famille, je n'ai pas de foyer. C'est la carte qui annonce les malheurs, le mal-être, le malaise. C'est la carte qui annonce une impasse, la solitude, l'incapacité de faire des choix et de passer à l'action. J'ai perdu mon travail, mes amis, ma famille, mon partenaire de vie, etc. Il ne me reste que la clémence et la miséricorde de Dieu. C'est pour ça que vous êtes dans l'énergie dont j'ai besoin de tourner le dos au passé. Vous rentrez dans une période de transformation, de changement. Vous tournez le dos au passé, vous me tournez le dos dans cette lecture où vous me dites « J'ai construit un château grâce à mon travail d'arrache-pied. J'ai travaillé matin, midi et soir. Cet argent que j'ai gagné est pour moi et uniquement pour moi et ça va servir pour m'épanouir et profiter de la vie, mais uniquement pour moi. Et je ne partage pas. » Sur le plan professionnel, j'ai les 2 de bâton et j'ai la tour. Enfin, attention, les 2 de bâton, le bâton c'est la passion, c'est le désir, c'est l'envie d'y aller de l'avant. Partir à l'étranger, déplacement, apprentissage dans un autre métier, je me prépare pour l'avenir. Le bâton, c'est le feu, c'est la passion qui vous pousse vers l'avenir. Vous préparez les schémas, vous mettez les stratégies. Vous calculez pour réussir ce projet qui verra le jour. Les 2 de bâton annoncent un changement, un grand changement sur le plan professionnel, un apprentissage dans un autre métier, ouvrir une boîte, un commerce, devenir des indépendants. Vous dites, lancez-vous. La période sera favorable, le temps sera bien choisi pour prendre des engagements et signer de nouveaux contrats de travail. Enfin, attention par contre, j'ai la tour dans les finances. La tour, c'est un arcane majeur. Avec cette lame, on rentre dans une période très compliquée dans laquelle ce qui était ne sera plus. Car la tour est frappée par la foudre, elle est foudroyée, bombardée, elle s'effondre. Même l'arbre à côté est touché. Vous rentrez dans une période dans laquelle ce qui était ne sera plus. L'écroulement de la tour rappelle l'usure, la fragilité des fondations, car rien n'a été fait pour sauver les murs de cette tour. Il ne restera que des souvenirs. Sa chute est inévitable. Avec cette lame, même les structures les plus solides peuvent se fragiliser avec le temps. Se fragiliser à cause de quoi? Des mensonges, des trahisons, de l'arnaque, vol, perte, etc. Cette lame annonce un échec, une déception, par rapport à un projet financier qui vous tient à cœur. En fait, attention, si quelqu'un vous propose une association, l'union sur le plan financier, un nouveau partenariat, je vous invite à prendre du recul, analyser toutes les propositions qui vont se présenter vers vous à l'improviste avant de prendre des engagements. Car parmi les propositions, il y a un projet à haut risque.
Dans vos vies antérieures, j'ai le valet d'épée. Pour certains d'entre vous, vous êtes divorcés, séparés. Actuellement, vous êtes à nouveau célibataire. Mais parmi le fruit de la relation avec votre ex, il y avait un petit enfant. Un garçon scolarisé, un garçon, une fille, une énergie masculine, une énergie féminine. Ce garçon est source de bonheur pour vous. Pour les gens qui sont séparés, mais il n'y avait pas un petit poussin dans cette relation, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous espionne sur les réseaux sociaux. La curiosité, l'envie de savoir ce que vous êtes devenu, ce que vous faites actuellement, le pousse à fouiller dans les réseaux sociaux, de demander à des amis de longue date, par-ci, par-là, ce que vous faites, où est-ce que vous habitez, ce que vous êtes devenu, ce que vous faites dans la vie. Il y a quelqu'un qui vous espionne sur les réseaux sociaux. J'ai les 8 de coupe. On quitte une relation sentimentale. J'ai les 8 d'épée sur le plan spirituel. Vous savez que, mes chers amis, les 8 d'épée, c'est la carte. Ce n'est pas la réalité qui est déformée, mais une vision de la réalité. Quand on refuse de voir notre situation ou notre image, qui est le reflet de la réalité d'ailleurs. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre cerveau. On essaye, on veut déformer la réalité à tout prix parce qu'on veut voir autre chose. Ce n'est pas ce qu'on veut voir. On veut entendre ce qu'on veut entendre. Les 8 d'épée, on vous dit, c'est la carte des addictions. C'est la carte des pratiques malsaines. C'est la carte dont les mains sont ligotées, les yeux bandés. Mais en réalité, vous n'êtes ni prisonnier ni prisonnière de cette situation. C'est vous qui avez décidé d'être dans cette situation de stagnation, de ralentissement, de restriction. On vous dit, libérez-vous. Les épées, c'est le mental. Ce sont des idées limitantes, des idées noires. Les peurs, l'angoisse de faire des changements, de provoquer des changements. Libérez-vous. Accordez-vous un petit peu l'attention à tout ce qui est le monde subtil. Les synchronicités, si vous voyez un chiffre, s'il y a un rêve qui se répète, on vous dit c'est un message qui veut passer en douceur de la part de vos anges, de vos guides, de vos archanges. Ce sont les messages des guides, les messages des lames et des oracles pour amis bélier, pour le mois d'août. Je vous donne un rendez-vous dans un avenir assez proche. D'ici, je vous dis prenez soin de vous.